Hey yo tout le monde, c'est Pyro, comment vous allez bien aujourd'hui? Alors on se retrouve pour le lancement de l'aventure, de la nouvelle aventure hein, qui est bien entendu Kerazan. On y va directement, donc elle vient d'arriver aujourd'hui. Voilà, on y va. Voilà, on a l'invitation. Alors, on a bien entendu le prologue, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on a le salon, parce que bien entendu, on a, on va dire, acheté la petite extension. Et après, donc deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc comme d'habitude, toutes les semaines, ça va s'ouvrir. Voilà, on commence ça. Cette fête va être géniale, mais que fait Malchésar ici? Donc, on va commencer là et on prend donc bien entendu tout simplement un deck. Je pense, enfin, je sais pas s'il nous donne un deck en fait ou si on prend le deck, nos decks à nous. Donc, on va voir ça tout de suite. Polissage de la rentrée. Apparemment, il nous donne un deck et on joue Medivh. D'accord, armure de mage gagne 10 points d'armure pour un mana, un sort de gel et un sort de dégâts. On va essayer d'avoir autre chose. Même si j'ai bien envie de garder lui, ah bon, bah une métamorphose, hein. Une carte somme toute assez classique, d'accord. Vous pêchez 3 cartes. D'accord, je vais en taper à discuter pendant tout le long. Donc là, on voit qu'on a déjà le plateau, hein, le plateau qui est tout simplement celui de base, hein, le nouveau plateau de Kerazan, qui est joli. Gagne 5 cristaux de mana pendant ce tour uniquement. En fait, il y a tellement de possibilités, mais je sais pas en fait ce qu'on va avoir comme carte. Donc je sais pas si par exemple c'est intéressant d'utiliser ça. Parce qu'en fait j'ai envie bien entendu d'utiliser un petit silence sur lui. Enfin un petit mouton sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, YOLO. Voilà, on en a plus que 3. On va essayer de piocher un peu de cartes. Vous avez plus 5 au dégâts des sorts pendant ce tour. Mais c'est complètement pété ça. On va attendre. On va attendre. Temporisons un petit peu même. Hop, on éteint les lumières. Et place à la danse. Ah mais ça avait marché la fois dernière. Place à la danse. Voilà. Vos sorts coûtent 0 cristal. Eh ben, on va faire plaise. C'est que des sorts. Oh, mais vous imaginez, 8 et 8, 16. On va tuer lui. Et on va tuer celle-là. C'est les plus chiantes pour l'instant. Et on va bien entendu du coup se donner de l'armure. Hein. YOLO. Très bien. J'aime bien les petites animations, hein, tous les jours, oui. C'est toujours très animé, je trouve, les petites scènes comme ça, et c'est vraiment sympa. Je trouve.
Oh là là, mais vous vous rendez compte? Au prochain tour, on va se manger un peu de dégâts, mais au prochain tour, on va faire une boucherie. Parce qu'au prochain tour, je fais ça, plus ça, et comme on a que des sorts, ça va être une boucherie, le bordel. Une boucherie. D'accord. Bah ça va être beau, ça va être un beau petit bordel. Voilà, là, on va se manger un peu de dégâts, on avait dit, hein. Un petit peu beaucoup en fait, hein. On va se manger quand même beaucoup là. Pourquoi il a fait ça? D'accord, bon, c'est pas grave. Chaque fois que vous lancez un sort, on place une copie dans votre deck. Ça, c'est pas mal aussi. Et nous, on va faire ça. Eh ben, nickel. Nickel. Regardez. Regardez-moi le délire. On va faire ça. On va faire ça. Du coup, on va faire ça. Ça va être un bordel, hein, je vous le dis tout de suite. On a qui? Révèle un serviteur de chaque deck si votre achevé dans votre main. Cool. Ensuite. Vous êtes prêts? Regardez-moi le bordel. Nettoyage de la carte. Ben pas moi. Et là. Il faut tuer lui malheureusement. Et il est pas mort. Mais on s'en fout. YOLO! On s'en fout de prendre des dégâts, vous allez voir. Oh non, pas Mal'Ganis! Allez, 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 allez! On va lui défoncer! Ah, mais ils font mal eux! Bon, lui, il a toujours 7 points de vie. Nous, on veut des cartes, s'il vous plaît. C'est tout! Est-ce que je viens gérer lui? Voilà. Et on temporise. Je m'imagine trop Jaraxus en fait. À un karaoké. J'imagine trop le délire en fait. Et il faut lui dire d'arrêter de nourrir ces bonhommes comme ça. Hein. Oh. Regardez-moi ça. En fait, on espère avoir les cartes. Intéressante. Celle-là, elle a l'air d'être abusée. Mais nous, celle qui serait pas mal, c'est ça. Pour pouvoir faire ça. Et ça derrière. On a qui? Un nul! Il est pas terrible, terrible, il faut se l'avouer, hein. Il face! D'accord. Il est comme ça, le Digimon. Oh là 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 là. Encore invoquer un légendaire? Encore un légendaire? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On joue 5 secrets, je vous propose.
Et on joue deux légendaires. Alors, ça c'est pas mal. Lance un sort, le dévi, bloc de glace, dupliquer. Dupliquer c'est pas mal aussi. Et quand un serviteur est lié avec. C'est pas mal, c'est qu'il m'attaque comme ça. Mais non, il face. Eh, mais par contre, faut que je fasse attention parce qu'il va faire, il fait max dégâts en fait. Bah ouais, tout le monde est mort hein, sur le terrain là. Moi, j'ai plein de secrets qui vont se mettre en route. Voilà, une effigie. C'est pas mal, ça va. Ah mais non, eh mais c'est pas gentil ça. Alors j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 8 plutôt. Parce qu'il faut. Et là si je fais ça, je pioche 3. Faudrait que j'en utilise une et qu'après je pioche. Allez, on va faire comme ça. Un légendaire. Ouais. Et ouais, ok. Rien de folisson. Ça va devenir une 4-4. Oh là là, et il me reste 12 points de vie. Contre-sort. Parfait. Hop. Mon bonhomme ne meurt pas. Et lui, il invoque ça. Et là, hop, une copie chez moi. Alors, on va faire un peu de place dans la main. On est à combien là? 2, 4, 5, 6, 7. On peut faire ça. La 10. Ouais. En fait, moi je veux celle qui donne. Vous savez, les sorts à 0 en fait. On va faire ça. Et après, jouer lui. Voilà. Parce que là, du coup, ça va être une 10-10 qui va commencer à piquer un petit peu. Et on a quand même deux protects sur le terrain. Là, on est clairement très bien. Hein, on va pas se mentir. Ça, je pense que ça va être un peu moins bien. Oh, ça va, il a eu le démon le plus nul du truc. Ça va. Ça va, ça va. En fait, là, si on chope le sort qui met à 0, on a gagné. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, trop de sorts là. Trop de sorts, trop de sorts. 10. Oh, attendez. 10, 16. 16. On n'est pas loin de gagner. YOLO? YOLO. J'ai pas à faire d'erreur. Ah, déjà dans la fatigue. Ah, mais j'ai fait des erreurs du coup. Le prochain tour, on a gagné normalement. Et normalement, on ne meurt pas. Je dis bien normalement. Ah mais non, FC, il commence à se soigner aussi, ça va pas aller du tout, hein. On a gagné. Bravo et merci à tous pour votre soutien. On va s'amuser un peu, on va faire ça. On va se remettre un peu de cartes en fait.
Et maintenant on peut attaquer. Et c'est la victoire, les enfants. Victoire easy du prologue. Prologue terminé. Et on a un corbeau enchanté, donc corbeau du... C'était du druide. Là, on a portail des terres de feu, affiche 5 points de dégâts, invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 cristaux. C'est une carte qui est pas mal pour 7. Ça invoque et en plus, ça fait, 7 de... ça fait 5 de dégâts. Et donc ça, c'est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Et là, on ouvre... Bah oui, donc on a fini le prologue. On ouvre le salon. Je suis Mauvaux, le régisseur de Karazhan, et j'ai besoin. Medivh a disparu. Nous avons besoin des portails au sommet de la tour pour les sauver. Lui et la fille. Et donc on se quitte sur ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et à venir me suivre sur Facebook, sur Twitter. Et n'hésitez pas non plus à suivre la confrérie, donc le groupe de youtubeurs amateurs que je fais partie. Et on se retrouve tout de suite pour le salon. Et c'est parti !